de Monsieur Nicolas Bourdoum est élu dès le premier tour. Élu dès le premier tour avec plus de 57% des voix, Nicolas Bourdoun en oublie presque les mesures de précaution contre le coronavirus. L'héritier naturel de la maire sortante, Claudine Boisorieux, ne s'attendait pas à une victoire aussi large. C'est une surprise, on a travaillé beaucoup pour essayer de l'obtenir, nous sommes arrivés, c'est le travail de tout un groupe. Je les remercie, c'est aussi le travail, c'est aussi la mobilisation de toute une population dans un contexte difficile avec l'épidémie telle qu'on la connaît. Une mobilisation pourtant assez faible hier, avec plus de 52% d'abstention contre 38% seulement aux dernières élections municipales. Ce que déplore l'autre candidate d'hiver gauche, qui termine deuxième avec 25% des voix. Malheureusement, avec le coronavirus, il y a eu beaucoup d'abstention, beaucoup de personnes qui ne sont pas venues voter. Donc, est-ce que c'est un préjudice pour nous? Je pense que oui. Mais notre travail n'est pas terminé ici à Clamecy. On a encore plein de choses à effectuer, puisque de toute façon, on a des voix au conseil municipal et au conseil communautaire. Un travail qui commence également pour le Rassemblement national après sa première participation au municipal à Clamecy. Un score de 17%. Qui ne satisfait pas son candidat. Dans d'autres conditions, les scores auraient été différents, mais encore une fois, il y a des règles démocratiques qui sont fixées, c'est ainsi, l'élection a eu lieu, les Clamecycois ont fait un choix de ne pas se déplacer, et aujourd'hui, pendant 6 ans, ils auront Nicolas Bourdoun comme maire, et effectivement, ils auront à assumer ce choix, puisqu'il est démocratiquement élu, malgré les conditions que l'on connaît. C'est donc un score sans appel dans la commune. Et cela faisait des années que Clamecy n'avait pas connu ça. Aux dernières municipales, la maire sortante avait battu son adversaire d'une petite voix seulement.